dans un nouveau vlog. Alors, où suis-je? Je suis à la maison médicale pour un rendez-vous orthoptique à 10h20. Je suis un peu rouge parce que j'ai marché assez vite. En plus, il fait encore très froid. Voilà. J'espère que ça va aller. Je ne vais pas avoir trop mal au crâne. Bon, ça s'est plutôt bien passé. En même temps, ça dure quoi? Un quart d'heure? C'est très bien, suffisant. Il fait moins 1 degré. Voilà. Ah! Ça sonne quoi? 11h? Ça sonnait 11h. Je vous reprends de ma chambre parce que je suis vraiment face à la fenêtre. Et là, on voit bien les choses. Et j'avais complètement oublié, je vous l'avais dit hier, que je vais vous montrer des petits produits. Et notamment, vous savez, je l'ai reçu il y a bien 10 jours, hein, je vous l'avais dit, le crayon 4 couleurs Clarins par Octoly, je l'ai reçu gratuitement. Et je vous avais dit, je vais le tester pour vous en parler. Donc là, je l'ai vraiment testé suffisamment longtemps. En fait, j'utilise tous les jours. Je vous montre, c'est vraiment comme le fameux crayon 4 couleurs, hein. On a les petits symboles qui représentent soit les lèvres, soit la bouche. Je sais qu'il y a la possibilité de l'avoir dans d'autres teintes, mais pour moi, il est parfait, notamment pour les lèvres. Vous êtes beaucoup à me demander ce que je mets en ce moment, donc c'est ça, voilà. Pour le contour des lèvres et également pour le remplissage. Donc, on est sur un nude qui est top. En plus, je crois qu'il y a des agents hydratants, il y a du jojoba, donc c'est parfait, hein, surtout pour tout ce qui est contour des yeux. On a un vert, j'aurais jamais pensé que le vert avec mes yeux bleus, ça passait. Est-ce que vous voyez, c'est vraiment un vert émeraude. Et moi, j'aime bien l'appliquer justement en ras de cils inférieurs. Je trouve que ça donne de la profondeur au regard, c'est super joli. Tout comme le bleu, voilà, le bleu marine. Hein. On a un col, on le met soit dans la muqueuse, soit en eyeliner, soit en col, on fait ce qu'on veut. Et le fameux contour de lèvres qui est comme ça. Enfin, c'est vraiment le petit crayon que tu glisses dans ton sac et qui est pratique pour faire des retouches, hein, tout au long de la journée. Franchement, j'avais souvent louché devant dans les parfumeries. Je me suis dit non, non, non. Et en fait, maintenant que je l'ai, je suis très contente. Monsieur Jack, qui est juste là. Je vais remettre mes lunettes. Hein. Je les avais enlevées forcément pour que vous puissiez voir mieux. Tu t'apprêtes à faire ta petite sieste, mon chéri? Oh oui, t'es bien là. Oh, t'es au calme, hein. Bon, il est beau ce garçon, dis donc. Allez, je te laisse tranquille. Alors, par rapport aux choses que j'ai reçues et que je voulais vous montrer. Alors pareil, ça, ce que je vais vous montrer, c'est comme le crayon 4 couleurs. Je le teste avant et je vous en parle. Là, je vous dis juste que je l'ai reçu et ce que c'est. Voilà, bon, ça va peut-être faire polémique. C'est un kit de blanchiment dentaire connecté. Ouais. C'est assez drôle, ça marche sur Android ou iPhone. Pourquoi j'ai accepté? Simplement parce qu'il n'y a pas de peroxyde d'hydrogène, donc ce qui va venir sensibiliser ou abîmer l'émail des dents. Voilà, sinon je ne l'aurais pas pris. Je trouvais le concept assez original. Alors, moi, mes dents, elles sont naturellement blanches. Elles étaient très blanches. Je dis « elles étaient ». Parce que je suis une ancienne fumeuse, je buvais du thé, du café, et petit à petit, elles étaient de moins en moins blanches. J'ai arrêté de fumer hein, il y a peut-être 2 ans, mais je n'ai plus cet éclat au niveau des dents, j'ai plus cette blancheur, donc j'aimerais bien retrouver cette blancheur, mais sans forcément les abîmer. Et je me suis dit, voilà, ça pourrait être sympa de tester. Alors à l'intérieur, on a forcément un nuancier hein, qu'on compare avant-après. Ils nous disent qu'en 16 minutes, on voit des changements. Se présente comme ça. En même temps, je ne vais pas vous en parler. Hein. Je vous en parlerai vraiment mieux quand je l'aurai testé. Je ne vais pas tarder. Hein. Je vais le tester soit demain, soit après-demain. Ils nous disent que les résultats sont quasiment immédiats. Donc, je ne vais pas attendre 15 jours avant de vous en parler. Voilà. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai reçues dernièrement. Vous savez quoi? Je vais vous préparer un concours. Je vais faire une photo Insta. Hein. Je suis désolée une fois encore, mais hein, j'ai déjà dit pas plus sur YouTube. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai pas envie de prendre le risque. Hein. Oups, attendez, je vous mets mieux. Tu te calmes, s'il te plaît. Donc, sur Instagram, c'est pour ça que je vous invite vraiment à me rejoindre. Avec ce que je vous dis, hein, les produits que moi, je n'utiliserai pas ou que je trouve sympa, je pense qu'ils vous plairont. Je mets ça, je fais une petite photo et puis voilà, que le meilleur gagne. C'est dingue ça, hein, je suis en train de faire mes petites photos. Et on a un Jackie qui grattait à la porte. Il ne supporte pas les portes fermées, mais je pense que ça, c'est tous les chats. J'étais obligée de mettre le tapis. Hein. Je l'ai mis là. Et puis, voilà, il y a tous les produits, il y a vraiment de tout.
pour le visage, les cheveux. Là, on a une éponge Conjac, la violette. Il y aura la boîte, hein, mais ça n'allait pas les coloris, donc j'ai pas voulu la mettre. Le petit pochon. Il y a un masque boue. Il est très bien, je le connais, je l'avais déjà eu celui-ci. Et si maman, elle organise un concours pour te gagner? Rien que de le dire, ça me fait mal au cœur. Tu vois, il s'en va, il est vexé. Maman a rigolé, Jackie. Oh, il est parti. Oh là. Aucun humour, ce chat. Vous savez ce que je fais? Je vais à la supérette. Ils m'ont déjà acheté des croquettes pour Jack, il n'y en a plus. Et bah, le nécessaire pour faire les crêpes, je l'ai dit, je vais lui faire ces petites crêpes. Voilà. Il ne manque pas grand-chose, hein. Du lait, de la farine. Mais c'est l'essentiel. Et il pleut, donc ça, c'est pas cool. J'allume là. Bon, d'abord je range tout et après je mets croquettes. Vous avez vu, ouais, la farine. Il y avait un sachet de farine qui s'est complètement explosé sur moi. J'en avais partout sur le téléphone, la perche, mon pantalon. Bref, j'ai pris ça. Je vais le tester. J'aime beaucoup le riz et celui-là il est complet, donc peut-être pas mal pour le ventre en tout cas. Pff, il me fatigue. Allez, bouge bébé. Des petites clémentines. Je n'ai pas pris beaucoup. Et puis voilà, le reste vous avez vu. Allez, on est parti. J'ai le saladier. Il me faut 250. Je vais en faire des légères. 250 g de farine. J'espère qu'il va être content. Ça y est, j'ai plus de bras, hein, parce que j'ai essayé d'enlever le maximum de grumeaux, que ce soit bien lisse. Je vais la laisser reposer parce que je pense que c'est meilleur, et puis comme ça il y en aura pour j'en ferai pour manger salé et sucré ce soir. Je peux pas avoir le dos tourné, c'est bêtise sur bêtise. Allez, arrête Jack. Chérie, mmh. Ça sent bon? Ça sent délicieusement bon. Mmh, c'est des crêpes. Non, c'est bon. Bah, au final je trouve qu'elles sont vraiment pas mal, hein. Cool, je suis contente parce que la première que j'ai faite, c'était pas gagné. Hein. Je vous retrouve beaucoup plus tard. Eric s'est régalé avec les crêpes. Ça m'a fait super plaisir. Franchement, je crois qu'il en a mangé 6-7 d'affilée. Je les ai même pas goûtées vu que j'ai mis du sucre. J'évite, je suis bien partie dans ma lancée. Sinon, c'est cool. On va très certainement se faire un petit truc pour la Saint-Valentin en amoureux. On le fait pas souvent, donc ça va être pas très loin de la maison, hein, parce que le but, c'est pas de faire des kilomètres et des kilomètres. Vu que je vais partir sans lui pendant moins de 10 jours, c'est histoire qu'on, voilà, qu'on soit un petit peu tous les deux, c'est sympa. On ne fait jamais rien pour la Saint-Valentin. Non, donc là, on va marquer le coup. Demain, je vous tourne et publie. Donc, il n'y aura pas de vlog, mais il y aura une vidéo, un haul Jiffy, mais pas comme d'hab. Ça va être un haul où je vais tester des trucs que j'ai trouvés, donc ça va être sympa. Il y aura même Jack qui va tester quelque chose. Voilà, donc je vais vous dire à demain pour une nouvelle vidéo et je vous fais un gros bisou. Allez, salut!